L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée donc par le processus de réconciliation, des pionniers du PDCI, Parti démocratique des Côte d'Ivoire, ont échangé sur les questions de tranquillité politique et sociale avec la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu signé Mamadou Kouassi. Les anciens de la politique ivoirienne veulent apporter leur contribution au processus de réconciliation nationale. Issus de la société civile, de l'opposition et du PDCI RDA, ils échangent avec la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation dans le cadre des préconcertations pour la relance du dialogue politique. Quels que soient les problèmes, ils vont nous surmonter nos difficultés pour construire la Côte d'Ivoire dans la paix et dans la fraternité. Nous avons échangé, nous avons encouragé la Commission à poursuivre sa mission en demandant à tous les, quels que soient les problèmes qui nous a opposés, d'oublier le passé pour construire l'avenir. L'avenir, c'est pour vous, les jeunes. Nous avons connu une période où nos aînés nous avaient tracé une voie. La voie de la sagesse, du travail bien fait, la construction nationale. La Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, initie depuis quelques semaines des rencontres avec les partis politiques, la société civile, les religieux, afin de relancer le dialogue politique pour aboutir à la paix et à la réconciliation véritable du peuple ivoirien.